le son. Je crois que c'est comme ça. Yo, mon gars. Ouais, salut. Ça va ou quoi, frérot? Ouais, ça va ou quoi, les mecs? On est là, mon gars. Tout doux, hein. Tranquille. Ouais, ouais, je vous. Ouais. Et courage, les gars. Hein. Trois dans une cellule. Moi, quand j'y étais, j'avais encore à l'époque une cellule. Enfin, j'étais tout seul dans ma cellule. Mmh. Ouais. Ah ouais, t'étais aussi. Ouais, ouais. T'étais au plafond. Ouais, ouais, mais pour une histoire de vol à l'étalage, j'avais fait ça à l'époque. J'étais con. Hein. Ah ouais, j'ai capté. T'étais parti où? Ça devait être... Fleury, pas très loin. Descends. Ah ouais, ça devait être à la belle époque, hein. Fleury, tout seul en cellule. Non. On a connu, ouais, on a connu. Ah, t'étais bien, toi. Mais là, ça va, maintenant, vous avez Internet et tout, hein. À l'époque, c'était pas évident, hein. Parce que j'ai 36 ans, moi. Comment ça, ouais? J'étais à l'époque, j'étais plus jeune. C'était dans au début des années 2000, j'avais quoi, là? J'avais même pas la vingtaine. Ah ouais. Eh, mais en tout cas, frangin. Ouais. Et du coup, vous, franchement, je vous souhaite de vous en sortir. Et de percer sur les réseaux, maintenant TikTok ça paye de ouf, YouTube ça paye. Non, moi je vais pas du tout percer, frérot, tu vois, tu m'entends ici. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Tu vois, c'est sympa de discuter un petit peu, tu vois, de tuer le temps comme ça. J'ai plein de conseils à vous donner, ouais. Maintenant TikTok il paye de ouf, faites des TikTok les gars. C'est 1 euro les 1000 vues, hein, vraiment. Ah ouais. 3, ça va de 1 jusqu'à 3 euros les 1000 vues. Vous faites des TikTok, vous mettez ça sur un compte PayPal, vous ressortez ça, mais là vous êtes les... En plus, là, vous n'avez pas de frais, là. Vous êtes là, vous avez rien à payer, là. Allez, tranquille, t'inquiète, j'ai un autre business qui tourne à côté avec les smartphones. Ça marche bien. Ah ouais, c'est quoi le business? C'est Internet, t'inquiète, ajoute-moi, on en parle. Ah, avec les smartphones? Non, c'est... Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, attends, je te follow. Derrière un smartphone, tu vois ce que je veux dire? En gros... C'est... Ah, tu hack des smartphones, tu les craques? Je sais pas comment t'expliquer. Non, rien à voir, c'est rien à voir avec ça. Moi, c'est plus les comptes bancaires, t'as capté? Ajoute-moi, t'inquiète, on en parle. Oh, pas mal. Ajoute-moi, t'inquiète, on en parle. D'accord. Et vous avez l'air de bien vous entretenir, là, au niveau sport, ça va? Parce que vous êtes bien, là, vous êtes affûté, musclé, les gars. Non, propre. Ça va, on s'entretient bien, tranquillement. Faire ça, frérot. En promenade, il y a qu'une part de traction, mon frérot, voilà. Et ils vont rentrer des meufs ou pas dans le parloir où c'est chaud? Après, c'est toi et tes contacts, c'est toi et ton entourage social, tu vois ce que je veux dire? Si toi t'arrives ici, t'as pas de, je sais pas comment dire, t'as pas de contact, t'as personne, mais tu vas venir ici en indigent, tu vois? C'est une petite femme. D'accord, ok, bon, ça, je suis pas trop assez longtemps, mais du coup, ouais, sans meuf, c'est chaud, quoi. C'est un coup à virer PD, hein. Ah ouais, bah, mais non, t'es fou, t'inquiète pas. Ok, bah, tenez bon, en tout cas, tenez bon. T'inquiète pas pour nous. En tout cas, tranquille, beau gars, bien vu. Ok. Et toi, dis-moi. Mais vous avez grave l'air gentil et tout, grave posé, grave cool, c'est ouf. Tranquille, bon mood, mon frérot. C'est ce que j'ai remarqué, moi, à chaque fois, les mecs... Ouais, les gens, ils sont excités, ils s'insultent, je sais pas. Ouais, ça lag un peu, attends. Désolé. Ouais, je disais que je connais pas vos vies, mais en tout cas, vous êtes... Et franchement, force. Tranquille, bien vu, mon frérot. C'est bon, je t'ai suivi. C'est carré, mon gars, t'inquiète, on en discute. Ouais, n'hésitez pas à monter, ceux qui sont là, qui suivent le live. Faites-leur des compliments, donnez-leur de la force, du courage. Et on est ensemble, on est ensemble. Il n'y a pas de galère, c'est carré, on est ensemble. Pas d'esprit. C'est carré, mon gars. En tout cas, ça fait plaisir, frérot. Hein. De toute façon, la prison... Après, ouais, t'inquiète, mais la prison, attention, c'est dur la sortie, hein, c'est sûr. Hein. Ah bah oui, tu connais comme tout le monde, comme il dit tout le monde, tu vois. C'est ça. Bah ouais. C'est ça, ouais, il faut s'habituer, c'est un nouveau cadre... C'est ça. C'est un autre mode de vie, frérot. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Bon, allez, bisous, les gars. Vas-y, bisous. Frérot. Ciao. Ciao. Si, ça en parle. C'est ouf. Si je vais monter, monte. Je voulais dire Fleury, je voulais dire Fren. C'est le plus probable dans le World 4. Ah, c'est eux qui lag en fait. Ah ouais, c'est eux qui laguaient. Bonsoir, comment allez-vous? Mais non! Vous allez bien? Allez, faut qu'on discute. Faut qu'on discute, frangin. Alors, du coup, j'ai remarqué qu'en vrai où j'étais, du coup, en prison, juste ici présent. T'as dit quoi, frérot? J'ai remarqué qu'en vrai où j'étais, du coup, en prison, et je suis un avocat dans CGM, 11 juillet, du coup, de Rivoli. Ouais. Et je pense que je peux, avec mes capacités d'aide avocat, j'ai fait plusieurs années d'études, mon père détient plusieurs parties et plusieurs pourcentages de bigot.
Et je pense qu'avec mes catégories et mes compétences en avocaïsme et en judaïsme ainsi qu'en synagogisme, je pense pouvoir vous aider à pouvoir sortir et arrêter votre peine de 1 an et 3 mois de prison, comme vous l'avez dit. Ah Du ouais. coup, je vous propose de m'ajouter pour qu'on puisse. Je suis maître Boutoul. Et du coup, ce serait pour regarder si je peux vous faire libérer. J'aurais besoin de votre nom, prénom, de comment vous êtes arrivé en prison. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, attends, attends, je sais pas si t'es sérieux, frérot? Oui, je suis sérieux. T'es La vrai? vérité. Maître quoi? Mais oui, la vérité. Maître Boudoul. Mais je suis maître Boutoul. Boutoul. Oui. Boutoul. Boudoul ou Boutoul? Raphaël Boutoul. Raphaël Boutoul. Ok. Au 16e rue Rivoli. Oui. Ok, ça marche. Oui. Ça marche, c'est bien, c'est bien. Et tu veux faire quoi comme ça? Tu crois que tu peux faire quoi pour Bah, moi? je peux vous aider, vous savez, je suis un avocat, je suis pro en avocatisme, en judaïsme, en sikh, en juif, Non, en islam. il faut qu'il garde son Moi, rôle, je sais pas c'est vous très parler, bien. hein. Avoir de tout ça, lui. Frangin, écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Là, tout de suite, envoie-moi une PCS, là, ça va très bien faire l'affaire. Une PC, c'est quoi? Non, on n'est pas là pour faire les brouteurs, monsieur. Là, je suis là pour vous sortir de prison, hein. PCFK? Ah oui? On n'est pas là pour faire les brouteurs, hein. Ah oui, monsieur. Ah, bah, sortez-moi de prison, hein. Là, tout de suite, Vous me demain. demandez des Maintenant, PCS, c'est quoi là, ça? comment, là, tout de suite, maintenant, demain, je vais sortir. Tu fais quoi pour moi? Ah mais il faut qu'on aille au tribunal, il faut votre nom, prénom, il faut tout en fait. Ah ouais. Vas-y, déjà, ajoute-moi. J'ai vu ta kippa, là. Moi, j'ai des contacts juifs, là. C'est très, très bien, ça. Ajoute-moi, frangin. Je vous ajoute. C'est carré. Voilà, bah comme ça on verra un vice de procédure, hein, vous savez. Voilà, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Hein. Bah oui, maître Bodoul. Ben oui. C'est carré. En plus, il n'y Bon a bah pas j'ai. longtemps, je suis parti Allez. chez toi, là. Là, vous me donnez vos honoraires, là. Vous venez, hein. Et moi, je vous fais bosser, Comment ça, vous faites bosser chez vous, vous bossez pour nous, vous hein. savez, on a plusieurs métiers de libre à la synagogue dans le 16e pour nettoyer les sièges sales, hein, si vous voulez. Ah, mais je t'ai pas parlé de synagogue, frérot. Tu veux bosser? Tu veux me sortir de prison, non? Ah non, on n'est pas. Oui, moi je vais vous faire sortir de prison et vous, en échange, je vais travailler chez nous à la synagogue. Enfin, Du coup, on vous convertit et après vous devenez un homme de ménage. tomber sur la tête ou quoi? Moi, je te donne de l'argent. Moi, je vais pas bosser en tant que machin, là. Allez, frérot. Non, oui, mais je sais, ça se voit que vous n'avez pas d'argent, c'est pour rembourser, vous savez. Là, bon, vas-y, On frérot, a et toi? Vas-y, devant, et mon frérot. Écoute, toi, je sais pas, t'es dans un film, là, à bord de l'eau, là, boîte de. Allez, salut mon pote. Tranquille, Malcolm Salam, mach. Voilà. Mazel tov, frangin. Allez. Voilà. Je sais pas Énorme. qu'est-ce qu'il me raconte, votre frangin, là. Hein? Et. Non, frangin, monte le son, là. Eh, frérot. Frérot, monte le son. Vous avez le titre du TikTok ou pas? Un juif aide des prisonniers. Un avocat juif intervient en direct pour aider des prisonniers. Il y a tellement de trucs à faire. Eh bah ouais, je démange pas sous prétexte, c'est sûr. Déjà, il y a eu zéro insulte, hein, donc ça peut passer sur TikTok. Hein. Fouille. Un avocat juif sort deux jeunes de prison en live. Ah, c'est pas mal ça, ouais. Ça fera plus d'une minute là, non? On les a? Ouais, j'ai fait un. De toute façon, j'ai déjà fait un marqueur.